On est tous dégoûtés. Mais ça, je vais sortir. Dégoûté. Allez, bon. Allez. En vrai, je suis dégoûté. Ah vas-y, c'est le retour hein. Ce temps-ci je vois qu'il commence à mettre des 3 points, je comprends pas trop, y'a personne qui défend sur lui. Voilà quoi, fais là un petit peu de concurrence parce que le pauvre là il commence à 3 semis à l'entraînement, j'aime pas trop ça. J'aime pas trop ça. Hein non, déjà c'est trop. Qui met des bandeaux, on met une main. Non t'inquiète, bah c'est pour les cheveux frérot. Momo dégradé, partie 2, partie 2. Laisse-moi rire. Laisse-moi rire. Attends. Ça me fait rire. Attends. Mais y'a pas dégradé là. Appelle-moi. Appelle-moi. T'as mis tout. Ouais, appelle-moi pas. Appelle-moi pas. Apparemment, ils ont 30 000 abonnés sur TikTok. T'es J-du-bas family-du-bas M. Abonne-toi, like ta vidéo. C'est très très important. Ouais. Mais dis-le, allez, Francheville. C'est très important. Allez, Francheville. Merci, mon petit loup. Vas-y, vas-y, attends. Bah, au revoir. Voilà, frère, je vous mens pas. Quelque chose que je dis pas souvent. N'hésitez pas à liker la vidéo parce que ça nous aide pour le référencement. En vrai, il y a 50 000 vues en ce moment. La chaîne, elle grandit, etc. Donc, un grand, grand merci à vous. Des gros bisous à tout le monde, sauf les femmes, parce que je suis musulman. N'hésitez pas à vous abonner aussi et à commenter si ça vous plaît. Tous les commentaires sont lus par l'ensemble des joueurs de l'effectif. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît. Ça, c'est vraiment le plus important. Là, je recule. Allez, go ! Milieu ! Gars, avant de commencer l'entraînement, bah, il fallait que je vous parle un petit peu. Et donc, en fait, voilà, j'ai eu des problèmes personnels qui ne me permettaient pas en fait, de venir aux entraînements. Parce que j'avais pas tête à ça. Et voilà, je m'excuse si j'ai pas forcément donné de nouvelles, que ce soit aussi avec mes camarades que je te mets ici. Et voilà, bah, je suis là comme vous, c'est un petit peu basket, c'est faire plaisir. Tiens, match officiel avec vous, c'est ça veut dire. Et franchement, le match, j'ai senti un bon état d'esprit. C'est-à-dire qu'on était vraiment solidaires. Et je pense vraiment que si on continue comme ça, dans cet esprit, on peut vraiment faire une bonne saison. Un match très intéressant à jouer ce week-end, okay, contre une équipe qui est déjà qualifiée pour la poule haute et qui aura à cœur de faire un gros match contre nous vu le scénario du match aller sur le terrain ou en dehors. Apparemment, à Neulis, c'est très très chaud. Et j'espère vraiment que nous, quand on ira là-bas, il n'y aura pas de tout ça parce que nous, on veut montrer vraiment le meilleur du basket amateur. Je suis persuadé qu'on peut gagner là-bas. Ils ont perdu une fois contre nous, ils peuvent perdre une deuxième fois. Et ils perdront une deuxième fois. Parce qu'ils n'ont pas l'habitude de ça. Et ils l'ont eu une fois ici, ils ont perdu. C'est le chef qui l'a sorti, il a raison. Vaut mieux travailler en musique. Ça donne toujours envie. Hey, c'est les steaks ici. Là, on a le Rica, il est revenu. Ça bleu, frère. Pas une dégaine de Rica. Juste qu'il revienne, il a du travail encore. Collé, hein. Collé, hein. 23. Top. Ah, c'est un truc de dingue. Dans les mains. Y'a pas une action correcte pour l'instant. Stop. Bien joué, merci. Bien battu, Momo. Je crois que je vais arrêter l'entraînement avant. Il reste 23 minutes d'entraînement. Si dans 10 minutes, c'est pas mieux que ce qu'on a fait là jusqu'à présent, j'arrête la séance, on rentre chez nous. Parce que ça court à peine, vous faites défoncer par les U20. C'est pas comme ça qu'on va gagner ce week-end. Hein. Après, si, il fait froid, frère. Voilà, je vais bien comprendre. Ils ont qu'à se bouger. C'est bien ça. Allez. Un peu mieux, mais pas autant que je voudrais. Je sais pas, y a pas d'intensité. Top. Milieu, on arrête là. C'est nul à chier, de toute façon. Entraînement qui sert à rien. C'est même pas une question de niveau, là. C'est de l'énergie dans ce qu'on propose. On défend pas, on peut faire une passe qui traverse le terrain. Ça te donne 2 points. Donc c'est intérêt d'être mieux jeudi. Sinon, les choix, ils vont être faciles. Il fait froid, je sais que la salle c'était pas trop ça ce soir. Mais l'envie c'était pareil malheureusement. Oui, Jim. Franchement il faisait très très froid ce soir. C'était compliqué de ouf. J'espère que jeudi ça ira mieux.
Bon les petits mecs, on se retrouve jeudi, on a fait un entraînement dégueulasse mardi, mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. La meilleure manière de continuer, c'est de jamais abandonner. Bref les gars, on va noter les paires de chaque joueur, on va voir ce que ça va donner, à tout de suite. Maxime Ginet les gars, sa paire t'aimes bien ou pas? Moi je valide, jamais. Moi je valide. La paire de Yacine. Bon les LeBron 20, vous en pensez quoi? Un bon 9 sur 10. Celle-là, celle-là, la paire de Mooks. C'est pas des Kalenji ça? C'est des Brooks. Non, des Russell Westbrooks. Wesh, t'as des gants toi? Pourquoi t'as des gants toi? Mais aux États-Unis, prix réduit chez Nike. Ça se voit aux États-Unis, c'est vraiment moins cher. Kevin, combien pour celle-là? Vas-y, moi je mets 5. Les Lamello MB03. Franchement, les frères, c'est un bon 9,5 sur 10. Le grip, il est pas ouf cependant. Voilà, je tenais à vous le dire. La meilleure paire de l'équipe. Et la paire de Chilji. Les Russell Westbrook 3-0, le meilleur meneur all-time de Venturi. Après, elle date un peu. Je veux une autre qualité et une autre intensité qu'il y a eu mardi. Pour que derrière, bah, dans l'opposition, on arrive à jouer ensemble là-dessus. Essayez de trouver des enchaînements, respectons les règles. Faut qu'ils arrivent à lire le jeu en fait, s'ils veulent trouver des choses ensemble. Donne-lui, donne-lui. Allez, remonte toi aussi. Etienne, Etienne, on tourne en rond. On tourne en rond. En fait, on le fait constamment, de manière continue. Même ça, on n'y arrive pas, voilà. Vous essayez de trouver des situations ensemble, d'accord, dans ce jeu à trois là. Oh. Allez, applique ta passe, Kevin. Bien joué, gros. Bien joué. Oh, mais c'est de la vitesse, là, allez. Nos intérieurs, ils croient qu'ils sont là pour qu'on se démarque. Il n'y a pas mieux que de faire croire à l'équipe adverse que je joue pour que le mec il se démarque. Et ils oublient ça, frérot. Ils oublient que c'est pour eux, en fait. En défense, c'est switch partout. On refait normal. Eh bien. Enchaîne, enchaîne. Remonte, Thomas. Top, pied. Thomas, il faut que tu remontes pour qu'Etienne il ait de la place. Bien, bien, bien. Chasse, chasse. Bien joué, bien joué. Bien, y'a... Allez. On prend de l'espace, papy et Momo. Regardez. Descends, descends. Allez. Frérot, là, je peux pas. Tire. J'en ai marre, ça y est. Oh, ça me fait chier. Ça, je viens de me barrer en vrai. Je me déchire, moi, je mets du spacing. Ça, oh, ça fait 8 fois, je répète, remonte avec la balle. Well. Wallah, il dort. Je peux pas jouer. Franchement, je peux pas jouer. Top. 10 pompes, les noirs. Ça permet de pas replier. Quand le ballon, il circule, tu crois c'est pourquoi? C'est parce qu'on fait n'importe quoi. Il n'y a rien de maîtrisé, frérot. Combien de temps avec tes U15 France? Pour assimiler, ne serait-ce juste le mouvement? Bah, je pense 2 semaines maxi. Le problème, c'est que c'est nos meilleurs scoreurs qui y comprennent. Non, frère, nous aujourd'hui, c'est quoi? C'est au moins 6 mois, frère. Et quand dans 6 mois, on sera pas bon. Remonte, Kevin! Ça, oui, ça, c'est du basket. Super, super! On finit un moment là-dessus, hein. Alléluia! Voilà, tu vois, ça. Comprends, c'est pas difficile de faire ça, gros. Ça, c'est une action de basket. Il faut qu'on arrive là-bas et qu'une fois qu'on sorte du vestiaire, on n'entende plus rien à part ses coéquipiers, le coach. Ok, il va falloir être dur d'entrer, quitte à prendre des fautes. Ok, pour pas leur laisser prendre confiance et leur montrer que ça sera pas facile. Que si on durcit d'entrée, on risque de prendre des fautes. Donc tout le monde va être important. Ouais, on m'a envoyé ça et du coup, moi, je me suis dit qu'on pourrait faire un petit jeu. Premier qui marque du milieu de terrain, il gagne une boîte. Deuxième qui marque du milieu de terrain, il gagne la deuxième boîte. Franchement, merci à un bon maillot basket. Ça nous permet vraiment de partager des petits moments. Oh, papy, fais ta spéciale. Et pour vous, la communauté, il y a un petit code promo qui s'affiche là, c'est Samir Potter. Grâce à ça, vous avez le droit à 10% de réduction. Et comme vous pouvez le voir, le jeu il est super cool, vous faites votre petite commande. Et derrière, bah, ça vous permet d'avoir un maillot mystère. Et entre guillemets, soit de régaler vos amis, soit de régaler votre famille, soit de vous régaler vous-même. Ouais, il met pas à lancer franc et il marque du milieu de terrain.
Ah, ça taille M, ça taille M. Oh, il est trop petit, il est trop petit. Tu vas le casser. Il est trop petit, frérot. Oh. La puce. Voilà. Ah, oh, ça lui fait un string. Donc prenez soin de vous, la mif, et puis on se voit pour l'analyse. Gros big up à la marque bienveillante de mon frérot Younes, les frères, si jamais vous voulez en commander un. Donc vraiment c'est de la qualité, les frérots, n'hésitez pas à aller le voir dans la description comme je vous le dis. Allez, gros bisous mon ref. À 4000 likes, je dis pourquoi Etienne il était puni et je vous dis c'est une dinguerie, les frères. En vrai c'est... Ah ouais, moi à titre personnel, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. En vrai c'est une dinguerie, je peux même pas le dire comme ça car moi j'ai de la peine pour lui. Combien de points aujourd'hui? 8. 8 points? Je peux dire 25, j'en ai jamais mis plus de 10. Vrai ou pas? Parce que je suis pas un menteur. Je suis authentique. J'espère que j'ai dégagé pour la... 14 octobre, 23h. Et l'heure depuis laquelle ils nous attendent. Yo. You don't impress me. À nous de répondre à ça. 79 points marqués. D'accord, par match pour eux. Donc la défense va avoir une grande importance aujourd'hui. Ok, pas leur laisser prendre confiance chez eux. Protection de la raquette, repli. On doit être ici en activité, prêt à gérer le drive, prêt à gêner le tir. C'est à cause de ça qu'on perdait, frérot. Très exactement 4 matchs, frérot. Alors, on va la remettre au chaud et tu viendras la récupérer que si tu gagnes. Sinon, t'es plus marié. D'accord, et là, je ferme l'espace. Il commence à driver, un pas et je reprends mon joueur. Sur l'indiv, switch partout. Là, je sors fort et après, je recule. Donc, rien doit être facile. C'est la guerre aujourd'hui. Défendre fort, je casse les bras, il marque pas. D'accord, et derrière, ensemble. On répète, elle a jamais perdu. L'équipe qui est là aujourd'hui, elle n'a jamais perdu. Papy, t'es un monstre à l'intérieur. Hey, Momo, t'es un monstre au niveau physique. Patou, Thomas, régalez-nous au niveau de vos shoots. Etienne, pareil. Tant qu'ils n'ont pas marqué 6 points, on reste en 2-1-2. Dès qu'ils ont passé les 6 points, on repasse en individuel. Bon chou, ça. C'est bien ça! Oh! Faut sacrifier, faut faire faute là-bas! Il doit pas être facile le panier là-bas! En attaque, s'il n'y a pas de jeu rapide, travaillez là autour des écrans. Combat à 5 sur le rebond là-bas. 21! Allez! J'arrive, j'arrive! Voilà, voilà. Oh bien! Pas de cerveau! Oh, yeah.
restent chez eux, c'est eux qui stressent, ils sont premiers les gros. On défend plutôt bien, Pat, attention, pas de jeter là-bas. Ouais. Ok, contrôlé. Faut prendre ces putains de rebonds. J'ai pas le temps de faire ça, hein. On plonge sur la balle. Allez, allez, allez. Si là, on est fermé dans une trappe, quand je jette pas la balle. Je la garde au pire 5 secondes, dur. On défendra derrière, mais je la jette pas ou je la jette sur le joueur. Allez, allez, allez. Pour la défense avant tout. On est en meilleure équipe. Allez, let's go. Allez, Maël. Allez, bleu. Allez, bleu. Oui, monsieur. C'est bien, Maël. Ok. Ok. Ça, c'est du basket. Encore. Laissez curler devant comme ça. Papi! Papi! Bien ça! Toi, c'est toi, c'est toi! Assis-toi, ça! Attention au coup de coude. Là ? Ah ouais, ouais. Et peut-être qu'il y va un contre 3. Ouais, mais, ouais, mais il a un... Dans l'arcade. Ici. Berland. Ici. Ils ont déjà perdu, théoriquement. Ils s'embrouillent entre eux sur le banc, les gars. Etienne, retourne-toi. Etienne, il me saoule. Joue-le. Etienne. Duel. Un dribble, t'es débordé. Deux, fort. Changement. J'ai besoin de toi. Par contre, ceux qui n'ont pas de pot, je veux qu'ils en prennent. Ça la ramasse. Ouais. Faut être vigilant à la rudesse des fautes. Non, certes, mais là, ils poussent dans le dos et tout ça. Et... C'est comment ça se passe ici et comment ça a fini contre Savigny. Voilà. Pas grave. Allez, ils sont 35. Allez, les gars, on se remet la tête à l'endroit, les dernières attaques, c'est n'importe quoi, les gars. Deux choses qui me dérangent. On n'est jamais devant en bas, on est derrière, systématiquement, c'est pas la consigne. On a demandé de switcher, donc y a pas de questions à se poser. Offensivement. Arrêtez de subir la surpression à chaque fois. J'attrape la balle ici, il est collé à moi, j'efface pour me remettre de la distance. Il est en surpression, pim, j'élimine. Derrière lecture. Ok, quand on a fait les choses ensemble, on a eu des paniers. Des paniers, correct. C'est la gestion de ces moments où on va être un peu moins bon qui va faire la différence. Je vous ai dit, plus on les tiendra longtemps, plus ça sera dur pour eux, ils sont déjà en train de s'embrouiller. Les gars, oui. J'entends qu'on se plaint des coups. Ils ont pété un plomb. On se plaint des coups qu'ils nous donnent, ça a sifflé des fautes. Non. Eh ben, on joue plus dur, les gars. Voilà. Allez, les gros, allez. 25-21, c'est un match qui est plus abordable que le premier contre qui on a joué. Parce que le premier, je crois, il y avait moins 16 dans mes souvenirs. Ça, vous savez, c'est une série, etc. Mais en vrai, faut reconnaître quand une équipe a joué bien. Et ça, c'est une très très belle équipe de New Orleans. Malheureusement, ils n'ont pas beaucoup d'adresse aujourd'hui. Donc, je pense que c'est. Ça, en fait, faut qu'on en profite, tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, frère, c'est à nous de faire le job. Faut pas la subir, la suppression. T'en faute, ça. Il la siffle pas de tout le truc et il la prend sur le tir. C'est l'histoire de notre saison, frérot. On l'a fait. J'aime bien rien qui se passe comme prévu. C'est incroyable.
C'est la dernière fois que j'entends une réflexion comme ça. Je sais pas pour qui tu te prends pour lâcher une réflexion comme ça. Bon bah, troisième défaite d'affilée. Hein. On jouait ouais. Bien messieurs, défense. Voilà, c'est comme ça qu'on est fort encore. Défense. Y a pas de passe en attaque, pas d'écran, rien. Donc on perd des ballons, donc ils se nourrissent de ça. Faut que je prenne encore un temps mort pour vous expliquer l'attaque de zone presse. Oh. Je dirais les U17. Berland, écran sur ça, ici. Berland, tu passes dans la porte. Berland, écran sur ça, ici. Berland, tu passes dans la porte. Papy, putain. Casse les couilles. Papy. L'écran avec Maël pour Thomas. Défense. Cardo. Deuxième. Défense. Deux. Il y avait un match dans le match avec le team, j'ai fait exprès par là-bas. Défense. T'es à 3, si on tue, on fait la 4ème, on va se tirer. Relance meneur, parce que s'ils ont l'impression qu'ils peuvent pas nous laisser remonter la balle, on est mort. Allez les mecs! Allez! Passe ta ligne! Passe ta ligne! Y'a personne au milieu! Mais passe ta ligne quand même, gros! Casse les couilles, Etienne! Samir, Etienne! Défense! Personne au milieu! T'es mort! On avait bien démarré, les gros, là, allez, là, s'il vous plaît! Y'a rien qui est respecté! Donc l'intérieur qui est à l'opposé de la balle, il doit venir là. S'il n'y a pas de passe possible, gardez le ballon, la foutre sur un joueur, pas la donner aux adversaires. On joue plus ensemble. Allez, vous respectez rien, on a demandé de switcher. On joue plus ensemble. Vous jouez pas ensemble! Allez! Okay. Arrêtez de faire les morts, il a raison, on a un banc, on est mort. On n'a pas perdu les gars encore. On doit faire propre pour sont maintenant les personnes. Si nous on est pas pour en un carton, c'est comment on en est qu'à propre personne? C'est pas ou quoi? Face à Savigneux, c'était pareil, moins 13. Y'a rien, les gars. Allez, les bleus. On peut être discipliné comme on l'a été en premier temps, et c'est incroyable à chaque fois. Du style, faudrait pas qu'on ait de mi-temps. Voilà,
qu'on n'a pas l'habitude de se faire bousculer. Il passe au-dessus de l'écran, il nous colle, on n'y arrive plus. Ah ouais les gars. Comment ça se passe ici et comment ça a fini contre Savigny. Mais deviens pas comme eux, je te dis. T'es pas comme ça. Voilà, t'es pas comme eux. Mais t'as pas le droit de prendre des patates, t'as raison. Moi-même, je prends sur moi. Alors quand elle t'a parlé, j'allais parler. Moi-même, j'ai pris sur moi, frérot. C'est pas bien, franchement. C'est ils sont pas une bonne mentalité, c'est ce rien. Ce qu'il m'a dit, c'est pas bien. Bah parce qu'en fait c'est l'équipe la moins agréable à jouer de la poule. Ouais, que ça nous serve de leçon, en vrai que ça nous serve de leçon. Peut-être qu'on sera un poule bas. Mais maintenant à l'entraînement il y en a un qui triche, on va voir. On vient, on se fait marcher dessus comme si on était des petits branquignols. Ouais c'est pas grave, mais ça fait 4 matchs que c'est pas grave. Faut qu'on se le dise les gars, il y en a qui veulent monter ou vous voulez juste jouer au basket loisir. Mais maintenant à partir de maintenant on se fait plus chier dessus. C'est quoi ça gros? Mais ils ont pas une bonne mentalité, on va pas les instruire. Je suis là pour mon équipe, c'est tout. Par contre on va garder pour nous. Voilà. C'est eux qui vont gagner au final. On le sait, c'est pas nous, on a eu un truc en discipline, c'est eux, hein. C'est pas nous. On le sait comment c'est ici. Par contre, nous, comment on peut être autant discipliné sur une mi-temps et ne plus l'être en deuxième? Ça fait deux matchs, c'est pareil, les gars. Première mi-temps impeccable, il y a du beau basket, et deuxième, on le sent. On dirait même, j'irais même encore plus loin, comment on peut jouer comme ça en première mi-temps et jouer comme on a joué sur les quatre derniers matchs? Donc on peut pas se saborder comme ça, hein. Parce que je suis convaincu, s'ils ont eu de l'adresse, c'est parce qu'on leur a donné du rythme. C'est le début, eh hey, les gars, c'est le début de notre nouvelle aventure. Mais je vous jure que c'était bien pour une fois. Il y avait des bonnes choses. Pour de vrai, c'était bien. Simplement, il faut qu'on se concentre plus à l'entraînement et qu'on exécute ce qu'il fait. On peut pas à chaque fois répéter 8 fois les systèmes comme ils nous les demandent à l'entraînement. Et après, on n'y arrive pas. On va peut-être descendre. Allez, on va se faire la promesse qu'on ira chercher la poule haute après. Let's go. Allez, les gros. Mais là, c'est jaune, l'appel. Tu vas faut que tu lui dises aux joueurs. Non, t'es pas prêt à jouer. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça par contre, ouais. Oh. Ouais, je veux plus d'histoire, moi. Ouais, tu vas redevenir le Thomas Berlanquet en début d'année. T'inquiète. C'est dedans. Bah, tu viens me voir, tu me dis normal, frérot. Si jeudi, t'as pas fait, tu fais pas le taf, désolé, mais ce sera un autre meneur. Il a assumé ses propos, les frères. Il a parlé français.